côté, Privy Council, une situation très malsaine, fin développée avec la fuite qui finit là et qui fin scandalise le Privy Council lui-même. D'ailleurs, le Privy Council, il donne ni ce titre officiel, A Breach of the Duty of Confidentiality. Je me rappelle que la première fois que le Privy Council utilise un sitting Prime Minister pour la honte de l'île Maurice. Et nous vous aussi rappelle la volte-face de l'ICAC qui vise à affaiblir le case du DPP devant le Privy Council. Ça fout là, pas seulement une fuite, mais un ministre fait état de la fuite, reprend la fuite de son compte Facebook. Le Privy Council lui-même fait un rappel qu'il y a un contempt of court dans sa qualité fuite là, et le Privy Council lui-même fin ordonne une enquête officielle qui, s'il y aboutit, lui débouche l'enquête de contempt of court. Jugement pour un lundi, nous avons connu lundi si pas fini là une tentative de management de public opinion dans toutes ces affaires-là. En tout cas, tout ça bien mauvais pour l'image de nos pays, pour l'image de l'île Maurice, une fois de plus. Mais finalement, peu importe ce qui gisement pour été lundi, le public mauricien bien connaît qui finit arrivé dans toute l'affaire Medpoint. L'affaire des moto-écoles. Pas tant de boda du tout, ils disparaissent le radar, mais pas comme ça. Top FM, lundi dernier, lundi le 18 février, il en a en long et en large avec une enquête détaillée qui accuse carré-carré le ministre Nando Boda d'une arnaque bien calculée, un coup monté, un scandale à millions, en complicité avec ce conseiller, un réunionné recruté en 2015. En tout cas, il a fait toute la lumière lors sa enquête exclusive et détaillée de Top FM, et l'urban accusation extrêmement grave et détaillée qui fait une portée vis-à-vis Nando Boda et son conseiller. Et évidemment, l'enquête là pas capable de faire, certainement pas par le cover-up machine, l'ICAC, ni par la police. Donc, une fois de plus, nous demander qui un ex-juge ou ex-magistrat, un juge ou magistrat à la retraite, crédible, gagne la responsabilité de faire toute la lumière lors de l'affaire des moto-écoles, en attendant qu'Nando Boda rentre au pays. Je supposais y penser, plus il tarde, plus ça peut passer dans l'oubli. N'a pas comme ça. Je termine en exprimant la solidarité totale du MMM avec les travailleurs, travailleuses licenciées de Palmore Limité. Ce qui me trouve inacceptable, c'est sa façon de faire inhumaine. Une façon de faire inhumaine qui fait handle toute la situation. Moi, tout ça inhumain. Il laisse sa bonne madame là, sa bonne travailleur là, travaille jusqu'à nevers à soir. Voyons qui est tout normal. Et puis, pour avoir de communiqués de presse, etc., faire je te connais, pas dérangé, hein? Fermé. Le lendemain matin, cadenas fermé. Il y a une façon inhumaine, très bonne travailleur, qui peine à droit exister en 2019.